Bon lundi, bonne semaine, une nouvelle semaine d'information d'actualité politique dans le pays d'Haïti. Mais nous, nous commençons cette semaine-là avec un gros vent panique dans les plusieurs quartiers populaires dans mon appareil. Panique au niveau Fontamara, panique au niveau quoi d'émission, on n'a pas beaucoup d'émission qui gagne. Ces méchants qui ont dirigé, et bien, ce moment-là, il y a une grosse panique, en plus direct, on a même parlé de l'État, il y a une victime, et bien, nous, on pourrait parler de ça, et sans oublier, voilà, environ, congrès américain frappé là, environ 4 sénateurs et démocrates, et bien, ils ont proposé là, ils ont projet de loi pour stopper toutes les armes qui ont pris dans les Caraïbes là, et dans tout le continent américain, hein. Donc, ils ont parlé là, et bien, côté qu'ils ont pas stopper toutes les armes. Donc, ça veut dire là, monsieur, Léo, capable de et bonjour, bonsoir la famille de Baramadi Akile. Qui côté ou même moi qui chance ouais, tant de garder émission ça nous content. Rejoignez-nous aujourd'hui qui c'est 24 juin 2024 là ensemble avec yon lot actualité. Alors, gens qui ou même souhaité la madame, monsieur, c'est vraiment attristé pour gens qui ou même nous tendez bien capital là qui c'est Port-au-Prince, madame, monsieur, levé matin en bas coup de balle famille, c'est vraiment compliqué. Ou pour aller gagner tout détail ça y est ensemble avec nous en dedans vidéo ça. Et madame, c'est l'autre point que nous allons partager ensemble avec vous là. Et nous gagnons Edo Zeni, madame, monsieur. Ok, bon, c'est n'importe quoi, monsieur. Edo Zeni famille qui salambe, madame, monsieur, France LB, et monsieur, même les tout passé pour nommer le ramo famille. C'est pas des paroles qui parlent, famille. Bon, mais c'est même attaqué. Et France LB, madame, monsieur, par rapport à ça, avec l'amour ex-président Jovenel Moïse, famille. Eh bien, moi, conseil aux familles, retenez la vidéo ça, ou pas regrette, parce que nous venons ensemble avec bon genre d'informations pour matin là. Et nous gagnons ministre Antoine, en famille, Auguste, visiter lycée Pétionville là. Et monsieur lui-même était arrivé par yon visite hier qui c'était 23 juin 2024 la famille et nous avons un petit bout d'extrait qui pas trop long et vous pouvez le temps avec monsieur comment monsieur lui-même et il a bail un paquet de belles promesses et comment madame monsieur et bien élève lui-même tout était recevoir monsieur et il était tout profiter famille et bien fait monsieur des propositions qui au même yo connaît ka bon pour yo madame monsieur la famille à dans vidéo ça là gain détail et nous venir ensemble avec bon gens information pour là et moi encourage aux familles m'a rete juste la fin vidéo ça ou pas regrette. Et bien je dis à qui c'est lundi mesdames messieurs que c'est 24 là mais selon information et nous va le partager ensemble avec vous là et bien force multinationale là t'a supposé déplacer jeudi à pour lui même capable arriver dans le pays d'Haïti qui c'est demain cap 25 c'est dernier du jour ça bail famille c'est dernier date ça qui ou te bail c'est demain 25 la famille et bien force multinationale là lui même li gagne pour débarquer dans le pays d'Haïti et ça fait n'importe quoi aux familles. Chaque Nzoula, crête gauche, ou pas regrette. Et bien avant, ma première même spécial qui clique sur vidéo ça, et ma bjou, grand merci à vous même déjà abonné. Merci parce que like. Si vous abonnez, femme, n'a pas encouragé, vous regardez le petit bouton rouge qui marque subscribe, ou bien s'abonner, juste pésil. Et après, quand cloche qui apparaît, famille, activez la cloche notification dans son façon de venir la pour capable, et bien, jouer une notification pour la guerre. Puis l'information qui nous pour matin la famille, et nous gagnons un Mac Robert, et jamais, c'était un ancien premier ministre, mesdames et messieurs, un ancien ministre qui est arrivé perdu la ville, ou pour jouer tout détail, ça ensemble avec nous, en dedans la vidéo, ça. Bon, de préférence, famille, m'a pas mal quitté nous tendez, et bien, et citoyen ça ensemble avec moi parce que nous disons là madame monsieur monsieur passé la France LB mais même pour moi France LB la guerre on va vous dire que des deux ans huit mois voilà ça se fait même je suis un bon camoufle je suis un bon camoufle France LB sont bon camoufle sont bon camoufle c'est un homme que j'ai connu pendant que j'étais sénateur de la République et lui il était le directeur départemental du Sud-Est. Mon cher, mesdames et messieurs, je suis fait du travail, je suis très jovial, je suis très respectueux, je suis fait du job dans le département du Sud-Est. Mais être directeur général, mon cher Mabou, même n'est pas comme nous avons démissionné. Là, on sortit par la petite porte, et François B sortit par la petite porte. Pour me dire, la droite directe, sous deux ans, huit mois, qu'on fait, on contribue dans la mort du président de la République, parce que Vite l'homme dit que nous t'entendons sur ça. C'est pas moi qui le tiens, et je n'ai pas répondu des questions à la justice. Me répéter après Vite l'homme, ça ne veut pas dire que parole bandit
son bail qui est qui bail parce que bon dieu arrive à 10 si vous voulez aller tout monde chaud à 10 ça veut parce que je dis à c'est un bandit parole il va vous rejouer mais quand même lorsqu'autant de j'ai expliqué que rapide on était venu beaucoup de que et d'ailleurs le arrêté monsieur c'est dans le quartier terrible avec vous André Michel qui était de côté là qui monsieur côté là qui était là donc écoute donc les choses et secret. Donc, bon, mais même pour la venue de, du nouveau directeur de, et général, nommé de l'amour, bref, qui ça monsieur va le faire? Qui ça monsieur qu'a faire? Si je baille, si Jean, si Paul, si Pierre, directeur de la police, et bien là, on est qui t'a étudié la police. Sociologie, on me dit, elle dit ça encore, criminologie, tout bas, ça y est. Si, si on n'a pas de moyens adéquats pour faire guerre avec des nègres qui sont bien armés, soit les hélicoptères, soit des tanks qui sont vraiment des tanks, ils vont saloper ça, ils vont mal porter ça, ils vont faire des nègres faire comme pour manger, ça y est, c'est pas tant que. Ça n'est pas blindé, vous avez un blindé pour poser des troupes. C'est blindé qui va déposer soldats pour soldats attaquer des hommes. Nous avons besoin de bons tanks que Jean-Bertrand Aristide, le président Jean-Bertrand Aristide, te vende. Il vend tout gros tank que nous gagnons. Tout hélicoptère, tout avion. Parce que le président Aristide commande dans la loi. Et c'est là le début de la technique. Je vois qui fait qu'il vend tout matériel d'armée d'Haïti, parce que tout simplement, l'idée de cela, mais il n'y a pas fait coup d'État. Donc, l'Ivonne, tout d'ailleurs. Bref, je vous dis. Et hier, la voile est là. Oui, tu as besoin de la mouille, tu as besoin de la mouille. Une mission politique, bon, c'est une série de quitter les gens dans la salle, côté où on fait une mission. Et puis, là, il faut qu'on va nous, il faut qu'on va se rouge, il faut qu'on va se l'argent, il faut qu'on va monsieur, et j'aime dire nous, et monsieur lui-même, il passe pour nous, il y a une pile parole qui parle. Même là, monsieur, information qui est importante là, qui nous supposons partager ensemble avec vous, avant qu'il nous prenne reste détail, parce qu'on parle de reste détail ensemble avec nous, et avec Moustaf, nous avons fait bon TV. Mais j'aime dire nous, en famille, nous avons un ministre Antoine Augustin qui t'a visité Lucie Pétionville, la famille, et nous, c'est direction Pétionville, monsieur, pour avant, et mais nous, quoi, madame, monsieur. Bon, c'était un côté qui pas trop trop attaqué non et qui pas trop trop attaqué non mais et son bel geste quand même et l'ital bay visite là et bien nous parle pas bout d'express ensemble avec vous qui pas trop long famille na fin tandel et après moi parle quitter nous vivant bien cela ensemble avec staff on a fait bon TV c'est pas des paroles qui parlent famille moi encourager vous rester dans vidéo ça famille pour capable gain tout petit détail c'est vraiment nécessaire pour te venir garder ça n'a pas c'est toi l'aime venir comme nouveau ministre. Nous présentons un bilan de travail à faire dans quatre programmes compensation. Compensation, c'est élèves, directeurs d'école qui ont des problèmes dans le quartier, dans l'école Payo. Et puis, on met des programmes, on mobilise un ensemble de professeurs pour permettre aux élèves d'avoir des coups de rattrapage, de mise à niveau et de préparation pour les examens. Et ça, on ne peut pas prendre l'examen d'évaluation de fin d'année. Donc, déjà, ce mois dans le lycée de Pétionville, là, on voit qu'il y a plusieurs lycées qui ont. Par exemple, le lycée national de Pétionville, école mixte du savoir, lycée Oasis d'Aventure, en tout cas, une quinzaine d'écoles et de lycées qui l'a. Total monde qui participait, ça va environ 1023 élèves qui suivent le programme spécial. Ça. Même pas c'est son gros effort. La discussion que j'ai avec le directeur Miguel, il dit moi, nous gagnons 4 programmes, nous gagnons 4 centres de formation à travers le pays qui mobilisaient environ 79 000 élèves, disons 80 000. Je pense que c'est son bon bagage parce que
avant hier, nous avons une retraite gouvernementale. Le Premier ministre Gary Conny, qui a exécuté feuille de route, qui définit le programme de l'État, il a accordé plus d'importance à la question si moun, formation élève et enseignant, et comment ça fait. C'était déjà une priorité pour mon conseil présidentiel là. Donc moi que la partie d'axe technique là, pour évaluer davantage le programme, pour me mettre la suite, parce que si vous avez formulé quelques revendications, nous allons regarder comment nous allons répondre à la revendication. Vous êtes passé, pour le directeur Jean, pour le directeur Miguel, la parole, qui prend nous en détail, déroulement du programme, sous question examen de détail, je vais nous encore, nous allons nous côté nous. Qu'il en a fait, ça qu'a fait. Donc, directeur Miquel, directeur Jean, nous devons des campagnes, aucun compensation comme ça. Bon, je pense que le ministre a posé la question globalement, parce que aucun compensation sur l'activité qui commençait depuis l'année dernière, qui lançait le 6 juin 2023. Et ça, c'est un engagement. C'est depuis COVID-19 que Timoun à travers le monde y a perte d'apprentissage. Et dans ce sens, ça, pour Timoun est capable. Nous, notre famille, nous avons invité quelques détails, mais ça est important. Changement en famille, nous avons besoin, nous avons appuyé sur l'information, ça est, nous disons ça déjà. Nous-mêmes, c'est ça, c'est la mission. Si vous pouvez nous changer, ok, si vous pouvez nous changer, famille, nous-mêmes, c'est là qu'on vise. Si tu as information, ça, nous-mêmes, nous allons chercher. Et pour moi-même, venir ensemble avec vous. Qu'importe quoi de famille, nous n'avons pas besoin de m'abonner. Bien, vous va gagner. Bien, l'école qui bloque, surtout dans le département de l'Ouest. Là. Donc, si vous avez posé des questions, qui genre, vous allez aborder l'examen. Parce que, entre temps, le ministère de l'Éducation nationale, pas traité sous l'Oriel, il faut que vous examen. 9 autres départements, vous avez toujours continué de travailler. Donc, c'est dans l'optique ça que nous avons réfléchi pour que nous débattions notre punch à la question de compensation des apprentissages, qui c'est un programme national. Donc, directeur Miguel a pas nous plus précision concernant les chiffres, c'est-à-dire les centres qui accueillent Timounio et pour diverses écoles qui ont de compensation, qui surtout ciblent deux départements qui ont plus de problèmes qui sont les départements du centre de l'Antibonite et de l'Ouest. Et dans 10 départements scolaires, nous avons un département qui est le département du centre qui n'a pas besoin de compensation. Donc, directeur Miguel Valbano. Et plus précision que le ministre déjà a commencé par le chiffre. Merci à Bill Gordo, merci ministre Antoine Augustin. Vous remercie la presse une fois de plus qui a collaboré avec nous l'année dernière dans quatre compensations. Et Anessa encore qui devient faire qui est ensemble avec nous. Alors, compensation, programme national de compensation, il fait suite à coup de rattrapage qui était gagné avant. Mais c'est à partir de l'année dernière qu'il a gagné et on rencontre au niveau qui fait Colombie, 2023. Mars 2023 et c'est mon coïncidence et premier ministre qui l'a premier ministre Gary Conny à l'époque qui n'est pas premier ministre mais qui est participé dans la rencontre ça qui a engagé le tout pour Haïti parce qu'à l'époque il était responsable régional pour UNICEF il était pour engagement ça tout Colombie et le ministre d'alors ministre Maliga était pour engagement ça et c'est engagement ça qui menait nous dans le programme national de compensation parce qu'on a retrouvé 960 000 il y a un petit monde qui perdit au moins 3 années de scolarité. Donc, dans ce sens, ça a demandé chaque pays pour l'engagement. Et l'engagement dit, mais qui programme pour le faire? Donc, nous-mêmes, nous devons faire un programme par nous autour de 3 versants. Il y a là-dedans, l'une c'est accélération, l'autre là c'est consolidation et l'une c'est récupération. Okay. Année ici, nous ne travaillons pas sur récupération parce que nous n'avons pas assez de temps, mais nous travaillons sur deux versants. Accélération, ça a fait là. Nous avons 7 semaines qui n'a fait coup. Et dans 7 semaines, ça a tout, nous avons 3 semaines. Nous quitter la donne pour faire consolidation. Après, mon élève qui saute du salaire, il y a des choses. Il n'y a pas de connaître, il vient d'apprendre, c'est accélération. Il y a des choses qu'elle déplie et tout, qu'elle reprenne pour lui. Donc, nous faisons consolidation dans la troisième version. Donc, c'est lui-même qui va le permettre. À partir de cette semaine, nous avons récupéré 537 heures que nous avons perdues pendant l'année. Et là, nous travaillons sous 9 départements, c'est le département
senti l'identité ici. Donc, nous travaillons sur 9 départements et 9 départements. Et 44 centres qui battent 79 800 près de 8 et 80 000 élèves dans le programme ça pour le moment. Donc, ce travail ça, nous a continué à faire et le programme il la continue toujours pour nous combler, pas seulement pour examen, mais combler les gens qui sont dans NS1, NS2 et les gens qui sont dans 7e année, 6e année, dans les classes intermédiaires, pour deux combler bête d'apprentissage pour les salariés dans les populations. Pour remercier le ministre Antoine Guilel, qui est le programme et qui a engagé le programme, c'est un beau programme et ça fait matin là et ensemble avec nous. Donc nous sommes dans la continuité de l'État avec choses qui doivent et orienter. Améliorer, c'est ça que nous faisons. Merci, directeur Miguel, directeur Jean Paola. Je fais exercice là pendant le passé. Dans chaque salle, je demande à l'élève comment est le programme. Nous saluons tout le monde qui est là, je dis, nous saluons la presse, tout le monde qui est présent. Bien sûr, moi c'est Damus Enol Mio, Louis-Jean Damus, et ma fin 9e année, moi l'école lycée nationale de Pétionville. Et vraiment, moi bien appris ce programme, non, ça vient aider nous pour nous aller à l'examen d'État. Et bien sûr que même malgré la situation PIAD, nous apprécions l'effort que la presse et que le ministère l'a fait pour nous, pour le café, pour le café ça l'a fait à la, pour lui mettre en cours à trapage, pour lui bien aider les gens, pour les noir en cours à trapage, pour nous pas de manque, pour nous pas de manque, et nous bien apprécier ça. Amélioration nous fait café seulement, c'est ça nous fait demandé. C'est pour le ministère qui a vendu un petit plat chaud, même si il est midi, même si il est après-midi, parce que de 8h à 3h, la bien important pour que nous arrivions en bagage pour manger. C'est ça, nous décalons. Merci. D'accord. Donc, avec dernière parole, ça, nos revendications, parce qu'effectivement, si vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas mangé. Nos revendications, on va dire avec Julie. Et puis, Mathieu, nous merci. Bon travail. Rappelez un contact. Vous travaillez bien avant. Donc c'est ça mesdames et messieurs, c'est ça parce que la famille ici n'a pas suivi nous perdre éducation dans le pays a, et il n'a réduit l'éducation et il n'a ajouté des âmes pour utiliser nos familles et moi-même moi juge c'est important pour me partager ça ensemble avec nous parce que c'est bien quand même et c'est bien malgré tout famille c'est bien et parce que éducation avant tout et tout petit jeune ça ouais mesdames, messieurs, qui lagué koyo nan mauvais axe yo, franchement, nous pas dit c'est mal éduqué parce que gen pile la dayo kal l'école. Et bon, ça peut être c'est dévouement yo, c'est ça qui ont choisi, mais gen pile tout, c'est pas ça qui ont choisi. Et c'est obligé, mais nous quoi, mesdames, messieurs, gen l'autre option. Mais c'est l'État qui fait ou pas, qui fait le paraître comme ça, qui ou pas gen l'autre option qui a, mais et gen l'autre option, bon, c'est ça qui est choisi. On nous passe, mesdames, messieurs, dans l'autre détail, parce que c'est vraiment important là. Et les démocrates qui ont même proposé un projet de loi là pour stopper de ce trafic d'armes qui a fait dans tout continent américain. Sénateur démocrate, ça y est, même qui répond au nom de Ben Carden, il y a Kim Kain, il y a Chris Murphy, il y a Dick Dubin, et qui annonce, eh bien, il va déposer un projet de loi, projet de loi qui est dénommé Hamas. Eh bien, projet ça a limité pour capable contrôler 20 armes illégales qu'a fait en région 1 et souligner les armes qui sont aux États-Unis. Yo trouve qu'il y a alimenté violence qui gagne dans toute région, hein, et parmi eux, dans le pays Colombie, Guatemala, pays d'Haïti, ensemble, pour citer ça seulement. Donc, projet de loi, ça, lui, il propose dans le contexte côté que pays d'Haïti, gang armé et fin crasé, et bien, nous, c'est pendant et coïncidence, déploiement, parce que nous, il y avait point de décision, hein, avec 4 sénateurs. Et démocrates, ça a dit, eh bien, qui proposait, dans 4 jours du dimanche là,
y a un projet de loi qui est capable de réduire donc et dit flux d'âme qui a fait dans la région. Est-ce que finalement le décide de prendre conscience, est-ce que finalement après la Russie, la Chine, la plusieurs fois, parce qu'il y a des responsabilités au gain pour avoir des âmes qui a tout le monde en Haïti, mais finalement, il y a décidé. Eh bien, pour le temps, prends conscience, eh bien, il est là, dans le jour qui est là, et bon Dieu, il y a des gens qui ont fait des gaz ou des. Donc, c'est ça l'actualité pour le moment actuel qui coïncide avec le prochain déploiement forcément de la zone qui va faire jeudi, mardi. Monsieur, bon, quand même, ne pas mettre nos mentir. Si vraiment, yota, sénateur sa loi, ça t'a passé aux façons pour ZAMS, pour ZAMAC munitions, t'as 6 fois dans le pays, c'est le tap très bon, dans le Caraïbes là. Mais, mesdames, messieurs, quand même, nous connaissons que ne pas mettre nos mentir parce que nous connaissons que justement, c'est là que les États-Unis font richesse, yo, c'est là que ont développé, ont fait un pile cob, dans la question contrebande, dans la question ZAMAC munitions, propre pays, en deux pays par yon, même si ça t'est cas de tirer l'étape vraiment utile pays parce que c'est ça craser pays puis gros problème nous madame monsieur c'est ça et monsieur je me dis nous et nous gagne ancien ministre de la jeunesse des sports qui c'est Marc Robert Jemi famille qui était arrivé perdu la ville là nous va confirmer information ça ensemble avec vous. Et bien que là, madame, monsieur, nous allons confirmer là avec vous. Citoyen, ça qui n'a pas gardé sur l'écran, et nous t'es parlé avec, et dans l'édition précédente, côté que nous dit que monsieur a subi en pile menace, en pile intimidation, à cause que l'été parlé de, et de dossier la Russie, président Jovenel qui t'a lancé. Madame, monsieur, non, on n'a pas information ça avec vous, on a confirmé l'information ça parce que depuis notre débat à la famille. Parlez quoi, chef. Monsieur, oui, effectivement, on nous a avancé, la nul, et avec actualité, quand même. Monsieur, nous bien précisé, gagnons ancien et yon ancien ministre qui mourit là, sans fond toucher légalement et dans le cas d'actualité. Ok, ma pauvre Jemi. Eh bien, la avance est venue avec information. Yo, nous là au niveau de l'écologie, eh bien, ancien ministre au nom de Marco Benjamin qui est décédé hier dimanche 23 juin. Eh bien, ancien ministre, lui-même, était responsable de la Fédération haïtienne de football, FHF. Et d'après l'information, ancien ministre, lui-même, qui est arrivé près de la ville, et nous capables de dire en pile, monde qui est décrié par rapport à l'être décès ancien ministre. Mais toutefois, en pile, monde dit tout, dit, mais quand il y a un ancien ministre qui passe en tête de l'État, ça n'a pas gagné aucun label qui passe le pays à mal. Donc, Nous pas du bravo, mais cependant, comme on dit, la mort ancien ministre au nom de Marc Robert Benjamin qui veut décéder. Donc, oui, donc nous capables de dire au niveau d'écologie, nous allons parler de tout. Maman, il y a des gens qui arrivent mourir. Donc, ensemble de ça, c'est des mondes qui ont même arrivé perdu la vie, même jour, donc dans la actualité. Monsieur, oui, quand même, j'en nous dis, et nous n'avons qu'à des anciens ministres pour ça qui mourit. Et moi-même, moi dis non, même si ça c'est sans filtre. Depuis c'est de quitter dans le gouvernement, je ne sais pas si c'est dans qui gouvernement est passé. Mais peu importe dans qui gouvernement est passé, et tout le monde a échoué. Ok, on son équipe, moun qui échoué, et bon. Comme nous n'avons pas trop de détails, je ne sais pas si la famille attendait là, je ne sais pas si tout fort, non. Mais bonne nouvelle, c'est que nous pas éternel, quand même, nous avons pour nous payer, pour l'avancer et avec nous. Salut, mon Absalom. Après bon suivi, effectivement, vous Benjamin, ancien ministre porn, comme on dit, sous Duvalier, un mec qui est ministre santé, un mec ancien, comme on dit, dirigeant avec des lois, un mec monsieur arrivé pour mourir. Nous connaissons monsieur de malade à 90 ans, mais même nous, par rapport, contrairement avec l'autre ministère qui a volé, comme on dit, next à Jimmy, c'est même un plus bonne gestion. Regardez ta pays à Frem, tout ces mêmes magas, attendez Frem. Tout ces mêmes. Regardez, valé, monsieur. Comme si nous comparons mal à mal. Information, regardez, valé, frère. Mais l'on fait bilan, nombre de temps, il va aller faire. Ah, excusez-nous, femme, parce que je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit. Malgré ça, vous continuez à. Nous avons fait un débat. Oui, monsieur, j'en ai dit l'ancien ministre, monsieur Tombé. Ok, la famille, voilà. Il va aller faire, sauf 1957, privé,
71, il passe 14 ans au pouvoir. Duvalier Esquisse, sorti 71, 1986, il passe 15 ans au pouvoir. Il y a des DAO, 29 ans au pouvoir. Mais toutefois, en pile Haïti, c'est qu'on a Haïti, c'est qui époque ça, sous ta main, si on compare dans l'époque ça avec de nos jours, on va presser dans l'usage de la Guinée. Duvalier, pas bon, mais en plus, sous Duvalier, le pays d'Haïti est resté dans tout le monde là, et à l'époque ça, nous sommes référents dans la région. Et pas de bandit, pas de gang, et pour ne pas casser n'importe quoi de la République. Duvalier qui était pour nous, aéroport international, tout seul ouverture là, et on a dit pas de l'aéroport international, Duvalier, le jour et l'île, aéroport international, tout seul ouverture. Ils ont hypocrisie, c'est même gentil, vous avez des projets, vous avez des projets pour le président Moïse Fait, vous avez des barons pour éviter les jalousies. Mais cependant, Duvalier pas de jamais même gens à mettre ça, aussi Duvalier pays à payer l'ordre. Non, il faut que là où vous avez payé un pouvoir. Passé, yon sénateur passé, yon chef pour aujourd'hui. Et pour ça, on coûte souffle, c'est fait, mon zone pour des explications, comment je fais. Et c'est payé à te dire l'autre, ma rappelé. Il n'y a pas de parler. Jean-Louis dit là, n'a pas fait débat, mais c'est triste. Pour ne passer plus, pour le gouvernement faire plusieurs. Yon 20 années son pouvoir. Le gouvernement font 20 années son pouvoir, gon équipe intellectuelle qui courait quitter pays hein. Kounya la jodi n'a comparé la mal à mal. En tout cas, nous gagne pour nous faire débat ça. Voilà, nous gagne pour nous faire débat ça. Mais nous vraiment méchant. Hein. Et moi quoi là madame monsieur pays a vinn consager li à la famille nous connait sous qui est. Donc on c'est dans mouvement équipe régime BHTK ça vinn monter là et puis madame monsieur, il vinn pi mal. C'est vrai auparavant. Auparavant, et sous Préval, il y a commencé, mais mesdames, messieurs, et dans le moment, ça n'a pas vivre la famille, ça incomparable. Incomparable, famille. Incomparable. On ne peut pas le comparer. Eh bien, c'est mon ça, ensemble avec Nexa ou la journée de la famille. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire ça, mais mesdames, messieurs, nous ne sommes pas capables. Oui, nous sommes. Déjà, nous disons merci, famille, parce que tu as accepté de juste la fin de la vidéo. Ça, un grand merci à vous même déjà abonné. Si vous êtes abonné, famille, n'avez pas courage, vous profitez. Abonnez parce que c'est très important. Vous nous connaissez pour aller chercher des détails pour vous. Qu'importe côté information et famille, n'apportez le bout et sans retirer ni ajouter un ladel. C'est des amis ou famille ou nouvelle Haïti. Bye bye tout le monde. Et n'avez pas croisé pour un autre détail. Nous carrément que ça dans le visage à la famille matin là. Et nous tellement pas ok, mais et nous connaissons. Faut que nous portions des informations en vous. Nous faisons sacrifice et qui peut gens ça et nous obligeons chita. Et pour nous informer aux familles, mais soit suivre nous la famille, et suivre l'engagement, et suivre le visage, après le marquer par OK. Bye bye tout le monde, on a croisé pour l'autre détail.